Bonjour, je suis Guillaume Liffrand, artiste plasticien. J'ai 35 ans, cela fait plus de 20 ans que je suis en recherche dans le domaine artistique. J'ai commencé très jeune à travailler sur maquettes. J'ai réalisé mes études en Belgique, à l'Académie Royale des Beaux-Arts. Je présente à la galerie John Tevis l'exposition sur les chemins de Sirte, qui a lieu du 8 janvier au 19 février 2011. Les chemins de Sirte est une exposition sur et avec un livre de Julien Gracq. Visuellement, la démarche des rivages de Sirte est une démarche physique. Ça a donné lieu à une construction. Parce que quand on lit le rivage de Sirte, on est emporté par le cheminement. On est traduit dans une langue de l'émotion. Les châteaux de Sirte, qui sont une allégorie, c'est un transfert de soi, de cet intérieur noir un peu séquestré, vers l'extérieur de la mer, que je n'ai pas travaillé, et l'extérieur du rivage que j'ai travaillé. On est dans un domaine poétique, le domaine du rêve, ce domaine qui nous permet de voir et de se voir au travers de l'œuvre. Ce transport passe par ces chemins verts, par cet octogone, passe par ces tableaux qui n'ont pas d'angle droit. Ce non-angle droit et ce côté diptyque crée justement ce regard sur le chemin de Sirte, sur sa propre introspection. On voit, au travers de ce que j'ai pu montrer, on voit un peu une image de soi, un peu une partie de soi-même.